À tout coup, elle s'arrête, frappée de stupeur, sur le seuil du café d'Elvès, recule du ballon de rouge déjà servi qu'elle doit boire. Nain dilaté, elle m'arrive à l'épaule, sans âge, nez spongieux, jambes éléphantes, plaquée au sol, toute l'énergie résiduelle. Ainsi, je m'avancerai, kabuki, pas posé et sans poids, spectre de la jolie somnambule, Blanche-Neige, quand elle émane au clair de lune du cercueil, la poupée, minusculement assise contre l'arête du miroir. Il était temps de mettre en place les premières composantes du livre à faire dont je rédigeais d'abord le prière d'insérer. Le livre avait commencé, écrire simulation, c'est voir la production de présent et le savoir acquis avec les yeux de celui qui possède le livre à faire, son chant, son flux, comme si je simulais qu'il fût déjà écrit. Depuis quelque temps, je regarde par terre. Alors que me condense le mot « déchéance », je rencontrais sur le trottoir de la Poste, rue Castex, un papier assez vaste que contrarie mon avancée. Elle le souleva. Je me dis « résidu ». Non plus déchet, ce double, double au carbone de quel bordereau. C'est de mouvement qu'il s'agit. Reste ou réanimation, notre mouvement, celui du monde, dont je constate ici un fossile vivace. Cette marge où, jouant mes sens, je projette mon énergie, nous renseignerait sur notre dynamique, quand culmine la démobilisation des forces populaires. Les plus exploités crient leur effroi de la menace russe, de l'éboueur voltaïque, au Japon, parade guerrière, diminution des dépenses publiques de santé, les plus basses du monde dans l'Empire richissime, par un surcroît moral. Il faut impulser des forces nouvelles au fabuleux développement, atteindre le haut niveau d'énergie de l'histoire et de notre temps, viser en tout la solution finale. À ce discours, vaste et dérisoire corpus constitué en 10 ans dans la vieille île, puis USA et sur nos terres, je ne répondis, traçant, une fois encore, des frontières isobares que, je saisissais un seuil, celui de la grosse femme, chaque jour franchissait le nain. Rue Castex, tant griffonnée de nos trajets et leur destination, contre les briques vernies d'un bain-douche ou dispensaire, la Poste, je relève une bande d'espace. Une femme,